Voilà, donc cette dernière série-là, pour cette diapositive-ci, avec l'une ou l'autre petite difficulté supplémentaire. Donc. En tous les cas, pour le OH-. Il se fait que le signe moins est un opérateur unaire qui demande donc quelque chose derrière lui. Et si vous écrivez simplement OH accent circonflexe moins, eh bien, ça ne marchera pas. Parce que le moins attend quelque chose derrière. Mais il y a deux parades. La première parade, c'est de mettre le moins entre des guillemets. Et donc, du coup, ça devient un simple texte et plus l'opérateur de la soustraction. La deuxième parade est de mettre quelque chose derrière le moins. On dit, oh, on peut mettre moins 1. Oui, mais... ce n'est pas l'habitude d'écrire OH-1, par exemple. On écrit OH-. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre derrière le moins pour feinter le système? Eh bien, non, pas zéro. On va lui mettre derrière les fameuses accolades, ouvrantes, fermantes, avec rien dedans. Donc, OH exposant l'action circonflexe, moins accolade, ouvrante, fermante. Quelques instants sur les autres pour voir s'il y a des difficultés encore particulières sur celle-là.